Chez moi, c'est plus de la biphobie, étant donné que je suis bisexuelle, et que c'est une sorte d'invisibilisation de ce que je suis. On me dit, ben, tu n'es pas vraiment bi, ou tu es homo, ou tu es hétéro, mais tu dois faire un choix. Or, je suis bi, point. Actuellement, je suis en couple avec un homme, et on me dit, oui, mais si tu es bisexuelle, il te manque la femme. Non, il ne me manque rien du tout. Je suis en couple avec une personne. Quand on est bisexuel, ben, le sexe importe peu, c'est la personne qui compte. Je n'ai pas à choisir entre homo ou hétéro. C'est comme ça que moi, je vis l'homophobie ou la biphobie. C'est dans la mesure où on ne respecte pas mon orientation sexuelle en me disant que ce n'en est pas une. Le choix, ce n'est pas vraiment un choix. C'est une réalité, c'est quelque chose qui s'impose à moi. On est dans une société binaire où tu es ou noir ou blanc, ou homo ou hétéro, ou homme ou femme. Tout le monde ne se reconnaît pas dans ces deux catégories. Il y a toute une palette, toute une diversité. Moi, ça me parle beaucoup plus, mais ça ne parle pas à tout le monde.